Bon dimanche de fin d'après-midi, 2 juillet 2023, c'est pratique de coup Bolly Rail et du safety shot, puis il va finir plus tard avec du 9 bar et du 10 bar. Il est 3h30 et je vais arrêter à 6h, 6h moins quart, 6h. Le shot ici, 10 bases à la table, la 1 ici. Puis ma blanche est gelée sur le rail, puis gelée sur le côté du 7. Il faut que je frappe la jambe, la 1. Ça fait que j'ai de la place en masse ici pour passer avec la blanche. Ou ici, entre le 4 puis le... Entre le 4 puis le 2. Ailleurs, ça passe pas, il n'y a pas d'autre place. Ça fait que pour les besoins de ce shot-là, je vais jouer de retire avec la blanche. Une rail ici. Deuxième rail ici. Là, ma blanche, elle s'en vient en direction du 1. Ma blanche, elle va frôler la 1. Elle va rentrer dans la 1, puis elle va poursuivre son trajet jusqu'à la 10. Puis la blanche, elle va knocker la 10 dans le 7. Deux rails, billard, 1-10 dans le 7. C'est de même, ça marche. Ça fait que ça fait de la bonne pratique pour commencer ma fin d'après-midi. Ça, ces shots-là, là. Puis en passant, on va mettre la vidéo plus tard après souper. Ça, ces shots-là, c'est. Il n'y a pas grand monde qui pratique ça, les coups par les rails. Le monde, il se pratique juste à vider des tables, là. Ça arrive d'un tournoi ou un match contre quelqu'un, puis ça en donne, il faut qu'il frappe un coup par un rail ou deux ou trois rails, puis là, ça marche plus, ça, il passe même pas proche de toucher à balle. Puis ça fait que pratiquer les coups par les rails, puis les pointes de sable, les pointes de coin. Moi, tout le temps, je m'ai tenu dans une salle de billard, puis il n'y a pas grand monde qui pratiquait la safety. T'as juste du clean-up. Ça fait que pratiquer les coups par les rails aussi, pas juste du clean-up. Clean-up de table. Et merci beaucoup! À plus tard, on va mettre la vidéo, comme je disais, on va mettre la vidéo plus tard après souper. À la prochaine!